Coucou, nous revoici pour ce petit live. Donc le test de ce matin, c'était un peu chaotique, mais bon, on va essayer de se faire à ce progrès. Coucou Catherine, je vais vous montrer quelques nouveautés de la boutique, comme ça me permettra de tester cette vidéo en live, à voir si on fait des tutos aussi de cette manière-là. Donc j'espère que l'image est bonne pour vous au niveau de l'éclairage. Bonjour Cécile. Justine aussi, c'est sympa, c'est chouette. Donc en même temps, ben, je vais commencer à parler, à vous montrer des petites choses. Pour les horaires des vidéos, c'est vrai que le matin, on est bien occupé entre le ménage, la cuisine, enfin tout ce qu'on a à faire. L'après-midi, ben, en début d'après-midi, ce n'est pas évident pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent, enfin qui font la sieste en début d'après-midi, peut-être. Et puis en fin d'après-midi, c'est pour celles qui travaillent. Mais en même temps, en fin d'après-midi, moi, ce n'est pas trop mon créneau parce que je prépare les commandes aussi dans l'après-midi. Donc, je trouve que 14h ou 14h30, c'est un horaire pas mal pour moi. Après, je sais qu'on peut regarder. Bonjour Marise et Monique. Je sais qu'on peut regarder en replay, mais alors je ne sais pas trop où ni où se range la vidéo sur Facebook. Donc là, c'est encore le mystère pour moi. Donc voilà. Donc, je vous avais fait cette semaine le tuto du petit junk journal. Donc, pour celles qui me l'ont demandé, j'ai mis des kits à 10 euros dans la boutique. Voilà. Donc, je ne vous le présente pas, vous les avez déjà vus. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai rentré des jolies choses au niveau des dies. Donc, celui-ci. Alors, il faut que je m'adapte à cette nouvelle caméra. Donc, ça fait une découpe bordure avec des papillons. Et donc ça ne découpe pas le papier sur le bord de la feuille. En fait, ça découpe ce bord-là. Ouh là là, je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, la bordure, la découpe reste accrochée à votre papier. Donc il y a cette bordure avec les papillons. Et dans la même marque, il y a celle-ci qui fait une belle découpe aussi. Voilà, ça fait cette découpe sur le motif violet. Ensuite, donc ça c'est chez Gemini. Une bordure pareille avec des papillons qui elle aussi ne se découpe pas au bord du papier ici. Dans la marque Crafter Compagnon, donc j'ai rentré ces jolis cadres. Donc là il y a plusieurs découpes aussi, vous voyez. Ça vous fait de jolis ovales avec des points perforés pour celles qui font de la broderie, du crochet plutôt. Ou de la broderie aussi, et puis une jolie découpe de cadre. Donc là, il y a plusieurs découpes. J'ai rentré des jolis feuillages de la même marque. Donc ils ont une belle taille, ils sont ajourés ici. Donc c'est très sympa, ça j'aime bien, c'est un bon basique. Et de jolis papillons ajourés aussi avec des très belles découpes. Elles sont très fines, franchement, je les trouve très très jolies. Donc vous pouvez les superposer l'un sur l'autre. C'est vrai que cette taille est assez grande quand même, mais ça peut être sympa. Les dies de fraises sont revenus. Je vous avais mis un petit tuto carterie en vidéo aussi sur YouTube. Alors là, j'ai rentré ça. Je trouve ça très joli. C'est une machine à coudre. Bon, là, c'est vraiment pour les couturières. Donc, c'est une machine à coudre. Et elle a une partie qui s'embosse aussi. Donc, elle a du relief. Ce n'est pas uniquement la découpe. Puis la taille est assez belle aussi. Après, pour la couture, il y a aussi ce set de 12 pièces. Donc, il y a 6 tampons et 6 dies donc, assortis. Donc, vous tamponnez votre motif et vous les découpez ensuite avec les dies. J'ai rentré des fleurs. Alors là, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, celle-ci. Donc, c'est de chez Léane Créative. Donc, il y a ces fleurs-là, plus une fleur qui fait comme une rose en fait, qu'on enroule. Bon, je vous ai fait des tutos aussi sur les fleurs, il y en a plein plein, il faut chercher, elles sont de l'année dernière. Donc sur la chaîne YouTube, vous mettez dans la petite loupe tuto de fleurs et vous allez trouver. Donc il y a les feuillages qui vont avec. Donc vous enroulez la petite fleur-là et vous pouvez la coller au centre si vous voulez. Rajouter un cœur un peu plus imposant.
Après, il y a ceci. Alors là, ceux-là, je ne les avais pas. Donc, ce sont des coquelicots et ils sont tout dentelés là au bord. Mais vraiment, c'est très très fin. Ça, j'adore. Donc, vous avez tout là pour faire les petites étamines à l'intérieur. Et ensuite, celle-ci qui fait la fleur d'hortensia, l'hydrangea. Donc, on voit un petit peu mieux. Non, là, on voit pas trop bien avec cet éclairage. C'est un peu compliqué. Donc, là, il y a 1, 2, 3, 4, 4 tailles de fleurs, plus un petit cœur et 3 feuillages. J'ai rentré aussi des mots en français, donc des dies de mots en français. Donc celui-ci, par exemple, souvenir, donc c'est la taille réelle. On le voit là. Petit coin de paradis. Alors celui-là, je l'ai gardé aussi pour moi, pour le prochain album que je ferai en vidéo aussi, en tuto. J'ai, hop là, celui-ci. Alors le mot famille est en trois. Il y a un tampon, une découpe de fond et une découpe toute seule si vous voulez juste écrire le mot famille en plus fin et rien qu'en papier. Voilà, vous pouvez soit le tamponner et le découper, soit juste le découper. Ça fait deux tailles différentes. Donc ça sont des sets de trois et pour le mot bonheur, c'est exactement la même chose. Après celui-ci avec trois mots, douceur, clin d'œil. Donc ça peut être pour des albums naissance par exemple. Le mot sourire aussi. Je trouve que c'est chouette ça pour mettre sur des pages de scrap ou des albums. C'est chouette. Des petits mots pour la carterie. Alors il y a encore d'autres mots. Ensemble et photo. Donc ils sont assez gros. Vous voyez la taille. Et pour la carterie, donc trois sets de mots. Donc on a joyeuse fête ou joyeux Noël. Bonne année, bon anniversaire, bonne fête papa, bonne fête maman. Donc voilà la taille réelle. Après, on a aussi sincère condoléances, félicitations, bon rétablissement, invitation, bisous, merci pour toi. Parce que les mots sont détachés. Donc vous pouvez mettre par exemple on le met ensemble pour toi. Invitation pour toi, ou autre chose. Et puis Halloween, bonnes vacances, bonne retraite, joyeuses Pâques ou joyeuses vacances, happy retraite ou Saint-Valentin. Voilà, tous ces mots-là pour faire de la carterie ou des albums. Ce que je voulais vous montrer tant qu'on est là, ensemble. Ah, j'ai pas vu tous ces. Oh là là, il faut que je fasse défiler en fait les textes. Donc, bonjour Kaku Kiku, c'est pas facile à dire. Sylvie, Cécile, alors Cécile me demande. Ah, me dit j'ai bien reçu ma commande, super, tout est splendide. Et merci beaucoup à toi Cécile. Jojo qui me dit bonjour, Valérie, Armande, Gaëlle, Marie, Annie aussi. Catherine, ok pour l'horaire. Je suis en télétravail, sinon je verrai en replay. Marie, Florence aussi, Sandrine, Solange, Francky. Ah oui, coucou Francky. Francky, c'est mon chéri. Karine, Dominique, la petite souris. Prisca, Dani. Ouh là là, Marinella, René. Alors, c'est Sylvie, oui, je savais que c'était toi, Sissi. Karine, coucou, René aussi, Juliette. Ouh là là, tout ça, ça va trop vite là. Ouh là là. Alors, bonjour tout le monde. Cathy, Agnès, Val, Pauline, Angèle, Véronique, Flavienne. Alors, je regarde en même temps si vous me posez des petites questions, que je puisse vous répondre. Martine, Marie, Émilie, Martine. Bonjour de la Sarthe, Soizic. Eh bien, bonjour du Tarn-et-Garonne. Paquita, merci beaucoup. Et Annie, vous êtes bien nombreuses. Donc, je continue. Donc, j'ai reçu la nouvelle couleur des Easy Corner. Alors là, elle est trop, trop belle. Alors, hier, mon chéri m'a fait rigoler. Il m'a dit, tiens, Nanoutier, on met un dans sa commande. Mais elle l'avait pas déjà pris en rose? Je lui ai dit, tu sais, il nous en faut un de chaque couleur.
Ah, c'est pas vrai, mais il est super beau. C'est la nouvelle génération, il est incassable. Voilà, et bio et dégradable aussi. Donc c'est tout bon pour la planète. Pour les fleurs, donc j'ai dans la boutique les mousses spéciales pour faire des fleurs que vous pouvez chauffer soit au heat gun, au pistolet à chaud pour l'embossage, soit à utiliser avec le matelas et puis la boule, comme ça, pour faire des fleurs. Et du coup, j'ai reçu une autre marque. Donc, elles sont un petit peu plus chères, mais les teintes, en fait, je vais travailler sur un prochain projet. Donc, je voulais vous montrer. Donc, c'est la marque Crafter Compagnon. Et en fait, il y a trois teintes. Il y a plusieurs feuilles dedans. Il y a 9 feuilles. Et ces teintes-là vont s'accorder avec le prochain projet. On va faire un gros album en tuto, en vidéo. Et du coup, comme celui pour le baby, mais d'une autre forme, sur un thème de papier indien qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, j'ai pris des choses qui vont aller avec, absolument bien avec. Donc, j'ai pris donc les feuilles pour faire les fleurs, donc de mousse, et les feuilles. Alors, ça, ce sont des cardstock de 250 grammes. Je voudrais bien vous les faire toucher parce que vraiment, c'est une super belle qualité. Et ils sont nacrés. Alors, bon, vous n'allez pas trop voir. Je sais pas si vous allez voir, c'est recto verso. Donc, il y a trois teintes qui sont absolument assorties aussi. Donc, c'est la même collection. Donc, je vous montre. Bon, je sors tout. Allez, hop. Donc, c'est la même collection que ça, que les mousses et que ces découpes. Mais bon, ça, je ne vais pas les utiliser pour l'album. En revanche, j'utiliserai des dies de fleurs. Et on s'est assorti aussi à cette collection-là, les rubans qui sont par trois. Vous pouvez les utiliser avec. Et du coup, j'ai rentré dans la boutique des cardstock. Alors, ils sont en paquet. C'est vrai que ça fait un petit investissement. Mais il y a quand même 24 pages. Donc, 4 de chaque couleur. Et donc, les teintes vont aller absolument bien avec. Hop là, je m'excuse pour le bruit. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Comme ça, vite fait. C'est pas évident à sortir, mais on a du coup les teintes qui s'accordent vraiment bien avec. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est prune violine, plutôt violine. Violine, après on a un violet un peu plus vif, on a du mauve, parme ou lavande, enfin voilà, suivant comment on les appelle. Un autre un peu fuchsia. Un rose plus pâle et un mauve encore plus pâle. Voilà, donc ce sont des camaïeux de couleurs. Donc on a ça. Et après, donc pour les bleus, c'est pareil. Là, c'est du bleu marine, hein. Il fait un peu bleu pétrole, mais c'est plutôt du bleu marine. Et on a toute la gamme de bleus jusqu'au turquoise. Alors là, c'est super, ça fait à peu près, ça revient à peu près à 50 centimes la feuille, en achetant le paquet. Donc, je vous montre un indice pour l'album qu'on fera. Donc, il sera sur le thème de l'Inde, mais je vous montre juste un petit bout de papier. Voilà. Hop là. Avec les teintes qui vont aller absolument avec. Ça va être délicieux. Alors, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Coucou de la Belgique. Alors, Aurélie, coucou, Dominique, Sandrine, les fleurs sont chouettes. Ouais, j'adore les fleurs. J'adore faire les fleurs. Un petit coucou de La Rochelle. Bonjour de Belgique. Alors, bonjour Véronique, Fabienne, Audrey, Claudine, la fée bien-être. Quel joli nom. Au moins là, c'est pratique. En direct, tu peux répondre parce que la télépathie, lol. Oui, c'est vrai. Des fois, je vous parle et vous me dites que vous me répondez. Mais moi, je vous entends pas. Donc, c'est pas facile. Ça va chauffer la carte bleue. Bonjour tout le monde. Corinne, bonjour Florence, Mick, Corinne, Nadine, recoucou Brigitte, rêve de vie. J'ai raté le début. Bon, c'est pas grave, hein. Magnifique cette collection. Merci Martine. Donc voilà, ce sera
pour travailler sur le prochain album. Donc, les teintes turquoise et mauve. Geneviève, eh bien, coucou Geneviève. Je voulais vous montrer aussi des petites fleurs de chez Prima qui vont aller super bien avec. Alors, ça va aussi avec d'autres collections comme la collection Bleu Indigo. Si vous l'avez prise, vous pouvez les utiliser avec et d'autres. Franchement, j'ai l'impression que ça va avec tous ces petites fleurs. J'ai rentré des petits rubans aussi d'un centimètre. Hop, je vais essayer de me rapprocher. Donc, ils sont en coton, coton et puis satin. Voilà. Un motif. Donc, il y en a quatre morceaux d'un mètre. Après, du coup, ça, ce sont les chipboards. Très joli. Donc, j'en ai découpé un pour vous montrer. Enfin, je l'ai sorti de son emballage. Donc, ça, je vais recevoir aussi la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, plein de sheetboards qui vont arriver et qui vont aussi être assortis à la collection de papier qu'on va travailler. Donc, je vous le dis d'avance, il va y avoir des styles attrape-rêve, des plumes. Enfin, voilà, il y aura du choix. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Christiane, bon, alors direction la boutique. Attendez un petit peu, tout ça, ça y est. Mais les papiers à motifs pour le prochain album ne sont pas encore arrivés. Je les mettrai sûrement en prévente dans la soirée, comme ça vous pourrez les réserver. Xavier, coucou. Ouais, les cardstocks sont super. Lulubis, coucou ma chérie. Et puis, Valérie, les coquelicots, ouais, les coquelicots et les fleurs aussi, les fleurs d'hortensia, là, ça, c'est joli, mignon. On peut en faire de plusieurs tailles et faire, par exemple, que des petites fleurs en découpant plusieurs de la même taille. Donc, ceux-là aussi, hein, on peut les embosser. Vraiment, c'est très joli. Hein. Tout ça, ça s'embosse, hein, les nervures. C'est vraiment très chouette. Coucou tout le monde, Pascal. L'image est floue, ah, je ne sais pas si ça vient de moi. Eh ben, je ne sais pas trop. Moi, pour l'éclairage, je ne sais pas trop. Ce n'est pas ma caméra habituelle, donc je ne sais pas si c'est très net. Alexandra, bonjour. Vous avez des questions? Je peux vous répondre si vous voulez pour l'instant, puisqu'on est là pour raconter des petits trucs. J'ai reçu. Ah, ça faisait bien longtemps. Comment vas-tu, Cathy? Eh bien, écoute, Cathy, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Ça va très bien. Il fait. Ben, oui, tu es de la région, donc tu sais qu'il fait un peu chaud, un petit peu lourd aujourd'hui. On a un beau soleil. Et voilà, quoi. Comme souvent, on nous annonce de la pluie, mais on a souvent le soleil. Martine, tu vois bien à la caméra. Super. Oui, alors j'ai reçu de mon fournisseur hier, c'est marrant, quand j'ai reçu mes dies, il est coquin, il m'a envoyé des feuilles comme ça que j'ai commencé à vous mettre dans vos commandes. Donc c'est une feuille de 3D. Alors il y a marqué restez à la maison, restons protégés. Donc il y a restez à la maison, gardez les distances et lavez-vous les mains. Et alors du coup, donc c'est vraiment rigolo, on ne peut pas se voir, mais on peut envoyer des petites cartes. Donc vous découpez les différentes parties, vous les superposez avec des mousses 3D par-dessus les plus grandes, et vous avez un motif en 3D. Et du coup, avec cette petite carte, et bien justement, c'est la dame là, elle fait un petit coucou. En fait, on est à l'envers, là. Je crois que vous voyez à l'envers. Donc, elle fait un petit coucou, là, elle est devant son ordinateur, elle boit son café, puis elle envoie plein de bisous à ses petits-enfants. Voilà, je trouve que c'est chouette. Là, ça me donne une idée, hein. Voilà, une petite carte à faire à ses petits-enfants. Donc, je vous les mets en ce moment dans vos commandes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Donc, c'est net chez Karine. Bon, ben, tant mieux, ça me rassure. Ça veut au moins dire que ça fonctionne bien ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais pas trop, en fait. Donc la vidéo en direct, je trouve que c'est bien pour présenter les nouveautés, faire des projets avec, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, après, le tout, c'est de savoir où on retrouve les vidéos qu'on peut retrouver en différé. Coucou Laurence.
Le papier. Ah oui, alors le papier Harry Potter. Alors vous êtes nombreuses à me l'avoir commandé, à me l'avoir précommandé. Donc c'est un papier qui est fabriqué en Espagne. Et comme vous savez qu'avec le confinement, l'Espagne pendant plus d'un mois n'a rien pu faire partir. Et, enfin, ils n'ont pas pu travailler du tout. Là, depuis cette semaine, ils ont repris le travail. Et donc moi, j'attends la semaine prochaine que mon colis parte de chez eux pour arriver ici. Donc, on devrait les avoir fin avril, début mai. Donc, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Voilà. La fée bien-être. Mais la fée bien-être, mais qui es-tu? Est-ce que tu as tant de commandes? Mais ton nom de cliente est sûrement pas le même. Bonjour Nathalie. Voilà. Donc, ah oui, et bonne nouvelle aussi. Nous, enfin, vous savez qu'avec tous ces changements par la poste, là, donc les dernières semaines, on pouvait déposer des colis que le mercredi, jeudi, vendredi, de 8h15 à 10h au centre de tri, à côté de chez moi. Donc c'était vraiment très restrictif. Donc quand vous faites une commande le dimanche, ben, forcément, elle ne part que le mercredi, puisqu'on a que ces 3 jours pour les déposer. Et là, ce matin, ils nous ont dit, super, on sera même ouvert. C'est trop la fête. Le mardi, de 10h à 14h ou quelque chose comme ça, 14 ou 15h. Donc, toutes les commandes de ce week-end, là, elles partiront mardi au lieu de mercredi. Donc, ça, c'est cool. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Eh bien, je sais pas, maintenant, moi, je vous ai tout dit, je vous écoute, hein, allez-y. Je vous écoute si vous avez des questions, vous voulez que je réponde à vos questions. C'est le moment. C'est le moment. Muriel, bonjour Muriel. Je crois que Muriel, elle est très loin dans le sud. Hein, si, bon. Alors, est-ce que ma commande est partie? Ah oui, Sylvie, elle est partie ce matin, ta commande. Parce que j'attendais les dernières perforatrices qui sont arrivées hier après-midi. Donc, elles sont bien dans ton colis qui est parti. Alors après, la poste met un certain temps pour biper les colis. Des fois, ils font ça la nuit. Donc, pas de panique si le numéro de suivi ne marche pas dans l'instant où vous le recevez. Il y a toujours un petit temps de traitement. Alors, comment retrouver vos produits? J'aimerais bien tester. Eh bien, dans la boutique Scrap Merveilleux. Alors, je vais mettre un petit lien. Je vais mettre un lien. Alors, après, de toute façon, je ferai un article sur le blog pour voir les produits que j'ai utilisés, que je vais utiliser dans le prochain album, parce que je ne l'ai pas encore réalisé. Et du coup, voilà. Donc, j'ai envoyé le lien, c'est facile, c'est scrapmerveilleux.fr. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Hop, je regarde que je ne fasse pas de mauvaise manipulation sur l'ordinateur. Plus de die cut. Ah oui, alors les die cut House of Roses. Alors là, c'est tout un poème, hein. Il a fallu attendre 2 plombes pour les recevoir. Quand je les ai eu commandés, bon, ben, j'en ai reçu quelques-uns. Vous vous doutez que je n'ai pas commandé un tracteur plein de die cut, hein, parce que je ne savais pas si ça allait vous plaire. Donc du coup, je suis un peu prudente, quoi, sur mes stocks. C'est pour ça qu'il y a souvent des choses en petite quantité. J'ai voulu en recommander et bah, ils sont déjà en rupture, quoi. 5 heures après, il n'y en a plus. C'est comme moi, ils commandent à flux tendu. Donc on attend que Stamperia les fabrique et les renvoie. Bon, apparemment, c'est en Italie, Stamperia. Quoique ils sont italiens, mais ils les envoient de Hongrie. Et du coup, tous leurs produits viennent de Hongrie. Donc après, avec le blocage, ça peut prendre un certain temps. Donc là, je n'ai pas de date vraiment. Alors, donc Patricia me demande. Oh là là, attention, on me demandait plein de trucs maintenant. Alors, donc du coup, pour les die-cuts Stamperia, il faut attendre un petit peu. Là, j'ai pas vraiment. Avec Stamperia, on ne peut jamais avoir de date précise. C'est le problème chez eux. Donc là, je ne peux pas vous donner de date. Alors, comment on fait pour les précommandes? Alors, les précommandes, en fait, quand l'article est préparé,
soit il est en stock et vous le prenez, soit il est en précommande, donc vous pouvez quand même le prendre, mais vous avez une date qui est indiquée, une date d'arrivée qui est indiquée. Par exemple, là, ces papiers vont arriver la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, peut-être jeudi. Donc, je vais ce soir créer l'article dans la rubrique de la boutique. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas le précommander. Et quand il y sera, eh bien, vous aurez le lien pour cliquer et le précommander. Alors, bonjour Muriel. Et oui, tu es toujours dans le Var. Ah, oh, c'est chouette, oui. Elle a dû grandir ta petite Julie maintenant. Alors, le papier 70. Alors, tous les produits Ciao Bella reviennent. Ils sont en cours là. Alors, ils sont en cours de décontamination, je dirais, parce que le temps qu'ils arrivent, il faut 5 jours. Donc, si jamais il y a un virus dessus, il sera déjà mort. Là, ils sont en transport. Donc, ils devraient arriver mardi, dans l'après-midi, hein, parce qu'il faut le temps que je les mette en stock. Je suis souvent livrée entre midi et deux, donc c'est pour ça que vous retrouvez les articles plutôt en soirée. Alors du coup, tous les Ciao Bella reviennent mardi prochain. Ensuite, donc ça c'est pour le papier 70, hein, parce que c'est Ciao Bella. Ensuite, Sylvie me dit qu'elle est en train de faire l'album XXL de Noël. Super, bonjour Nadine aussi. Et après, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Tac, 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 je sais plus. Ah oui, Patricia. Coucou Patricia. Oui, alors je parle de faire un album. Oui, je le ferai. Alors en vidéo, mais soit en live, comme là, comme maintenant, je l'enregistre et je le fais et je le fais et je le mets sur YouTube comme d'habitude. Il faut d'abord, avec cette vidéo, ça va être le test. Je vais voir après comment retrouver justement les lives, les retrouver en replay pour pouvoir ben les utiliser. Parce que l'album, vous vous doutez bien qu'il sera fait en plusieurs jours, ça va être un gros projet. Donc je ne vais pas faire un live qui va commencer à 14h et qui va finir à 18h parce que là, ça fait un petit peu long. Et du coup, si on fait un live d'une heure ou deux, déjà je trouve que c'est beaucoup, il faut être attentif. Et après, où retrouver les parties du live? Donc là, je ne suis pas encore au top, mais en tout cas, ce sera en vidéo. Soit comme la semaine dernière, en vidéo, pas en direct, soit en direct. Après, donc, bonjour Francine et bonjour Sabrina. Cathy, bonjour aussi. Christine, Nadine. Alors après, vous n'avez plus de questions? Je vois plus de questions pour l'instant. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un article sur mon blog scrapmerveilleux.com. Cet article, à chaque fois, il est après diffusé sur Facebook. Donc vous pouvez cliquer sur le lien ou l'image et vous tombez sur le blog. Et ensuite, là, je mettrai les indications. Alors, en revanche, je ne vais pas pouvoir vous montrer de photos de ce qui est prêt à l'avance, puisque je ne l'ai pas encore fait et que j'ai l'intention de le faire avec vous. Donc, ce sera un peu la surprise. Mais j'ai envie de partir sur un bel album. Alors, soit je fais un album sur un 15-15, par exemple, dans le type. Dans le style de cette taille-là, mais j'aimerais vraiment travailler sur quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est au niveau de la taille. Ou alors, je pars sur quelque chose. Ça, c'est l'album Brocato. Ou alors, je pars sur quelque chose de plus grand. J'ai envie de faire quelque chose de plus grand, en fait, plutôt 20 ou 20, ouais, 20, 21 de haut sur 15, quelque chose d'assez, ou même peut-être plus que 20, peut-être 25 de haut, à voir, avec une belle tranche, et où on ferait les blocs de page, peut-être un atelier pour chaque bloc de page intérieur. Voilà, donc ça, je ne sais pas encore. Moi, en fait, ça vient dans ma tête au fur et à mesure que je fais les choses. Alors, les vidéos, une fois par semaine, les vidéos où
et le même jour à ça c'est pour savoir si je vais faire un truc un programme en fait bien défini. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question. Et coucou Viviane et Michel aussi. Et oui. Ah, Katia de Bretagne. D'accord, la fée bien-être. Merci. Et oui, ce sera une fois par semaine ou le même jour. Et le même jour. Alors ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Question organisation. En tout cas, l'après-midi comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est parfait. De genre 14h ou 14h30 jusqu'à 16h30. Si c'est 2 heures, déjà c'est bien, ça fait long quand même. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du temps? Bonjour Ève. Bonjour Elisabeth. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du temps, vous? 1 heure, 2 heures? Ça risque de faire long peut-être? En fait, c'est plutôt en fonction du travail. On a fini la couverture, on a fini l'intérieur, hop, on arrête, on se donne rendez-vous 3 jours après pour continuer. Je ne sais pas comme vous voulez. Si vous avez des remarques à faire là-dessus, ça peut le faire. Hop, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour Cathy. Voilà. Et bien, bon, ben, je crois que... On va peut-être arrêter la discussion pour aujourd'hui. Voilà. Bon, ben je vais vous dire au revoir et puis je vais continuer à préparer vos commandes, même si elles ne partent pas aujourd'hui. Oui, on peut un peu plus long. Un peu plus long, 1 heure, un peu plus long, oui, entre 1 et 2 heures, quoi. 2 heures, 2 heures, ça vous va, 2 heures. Par étape, et oui, par étape, ouais, c'est bien, je trouve aussi, même pour moi. J'ai pas de problème, Cathy, tu pourras regarder en replay. Si tu sais où se trouve la vidéo en replay, parce qu'il va falloir qu'on cherche. Je ne suis pas une habituée. Alors, est-ce que tu me donneras la liste du matériel? Eh oui, c'est ça. Ben oui. Après, c'est un peu compliqué parce que comme je ne sais pas tout ce que je vais utiliser exactement, par exemple, si je vais utiliser 2 mètres de twine ou 3 badges, ça. Alors, en fait. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, parce que comme je n'ai pas encore fait le projet et que je le fais au fur et à mesure, comme vous l'avez compris, je travaille aussi en live. Donc, les choses me viennent comme ça au fur et à mesure. Ce que je réfléchis à l'avance, c'est quelle collection de papier je vais utiliser, ce que je vais utiliser dans le plus gros comme embellissement, et puis à peu près la taille de l'album. Ensuite, à partir de ça, je peux vous donner une liste. Après, pour tout ce qui est petite décoration, ça pourrait être fait en 2 temps. Par exemple, ben tiens, finalement, je vous montre un exemple. J'ai utilisé des petites dots, des fleurs, des pistils, des perles. Ça, on pourra peut-être le détailler à partir du deuxième cours pour savoir un petit peu déjà où on en est, quoi. Voilà. Voilà. Il y a de la poussière. Merci Martine, à la prochaine aussi. Christiane, à bientôt. À très bientôt. Par étape, c'est pour mai. Oui, c'est pas mal. C'est je crois qu'il y a eu des erreurs de touche là. Ou vous savez, les correcteurs d'orthographe. 1 heure, c'est bien. OK. Bon, alors, on va faire comme ça. Dans un premier temps, je vais travailler sur une liste de ce qu'on va avoir besoin en papier et en embellissement, comme ça, vite fait. Et ensuite, ben pour la déco, on verra après. Voilà, je pense que c'est bien. Je vais réfléchir sur la taille de l'album. Et voilà. Merci Xavier. Bonne journée à toi aussi. Merci Martine. Eh bien, oui, je prends bien soin de moi. Je suis très, très confinée et je ne sors pas en fait. Je ne sors pas du tout. Voilà.
tout est désinfecté, vos colis, tout est pris avec le plus grand soin. Donc, si le virus arrive là, eh bien, c'est que vraiment, je ne sais pas par où il sera passé, franchement. Voilà, on prend soin de nous. Et je vous remercie, vous avez été très nombreuses, vraiment, c'est vraiment super. Je ne pensais pas que vous seriez assidues comme ça et intéressées, ça m'a fait très très plaisir. Et maintenant, les vidéos sur YouTube, ah bah attends, hein. Ah oui, en replay, oui. À bientôt, Angèle, Martine, à bientôt, Sylvie, Michel me dit bonne journée, merci pour la générosité. Ouais, il n'y a pas de souci, j'adore ça, j'adore ce que je fais, je m'éclate. J'aimerais être avec vous tout le temps. Hein. Voilà quoi, c'est super. Ce sont des nouveautés que tu as sous la main. Oui, Viviane, ce sont des nouveautés. À chercher, à fouiller dans la boutique. Voilà. Et ben en fait, c'est comme quand vous venez ici. C'est un peu la chasse au trésor pour trouver les produits. C'est la découverte à chaque fois. Ça me fait rigoler quand on me dit ça. Voilà. Et je remercie mon chéri aussi qui est dans l'ombre hein, et qui m'aide à préparer les commandes. Et il me fait rire. Il me dit, mais c'est la chasse au trésor, ton truc. Et voilà quoi. Merci, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À vous toutes aussi. Je vous dis à bientôt. Allez, on arrête de papoter là parce que on est bavarde dans le sud. Allez, à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.